Hier, c'est la fête de la musique. Quand on pense à la musique, on pense souvent aux bonnes. Mais aussi aux mauvaises. Autrefois, la musique c'était bien beau, mélodique. Maintenant, c'est juste moche, 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 moche et remoche. Quand on compare avant à maintenant, bah c'était avant les musiques bien rock, qui poussaient bien, qui faisaient vibrer tes tripes. Alors que maintenant, c'est des musiques commerciales avec des paroles qui veulent rien dire. Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de nous deux. D'accord, j'arrête avec conneries. Surtout qu'avec internet, maintenant, on peut savoir ce que les gens aiment en termes de goûts musicaux. Et pour preuve, le clip sur YouTube le plus vu en 2010, c'est celui-ci. Sans déconner, une musique de Justin Bieber. On parle du mec quand même qui a fait un film en 3D qui raconte sa vie, qui a fait des poupées à son effigie et des cosmétiques Justin Bieber. Des cosmétiques Justin Bieber. Sachant que ses fans vont de 0 à 8 ans, c'est pas à cet âge-là que tu te maquilles quoi. Non. On peut aussi remarquer sur ce site que des gens ont bon goût parce que c'est ce clip qui a eu le plus de votes négatifs sur YouTube. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Oh non, je suis encore devenu sourd. Oh! Apprendra aussi d'écouter du Rebecca Black. Mais où sont passés les bons vieux rock comme Police, Pink Floyd et j'en passe? Maintenant t'as pas de la nanoditite qui te fait de la diarrhée. Putain, je suis impatient que les New Yorkais jouent le bruit marron et fassent dans leur froc. Faut les surveiller, faut pas rater ça! Je reviens, je vais me changer. Le pire, c'est que depuis quelques années, on caractérise les jeunes avec un style de musique en particulier. La techno. J'en ai jamais écouté de ma vie. J'ai 18 ans, je suis quand même considéré comme un jeune, mais la techno, je déteste ça. Il y a peut-être Daft Punk qui fait de la bonne musique, mais le reste, il n'y a strictement rien à battre. Bon, j'avoue, je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que la musique de fond, c'est une musique techno. Mais dans le titre, il y a le mot Daft Punk. Ça marche comme excuse bidon ça ou non? En plus maintenant avec les réseaux sociaux et les sites pour diffuser de la musique, on peut découvrir de nouveaux talents. Genre Grégoire. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui s'en servent. Des textes comme ça, j'en chie tous les matins, petit déj. Et pour finir, il existe aussi des télécrochets comme Alors ça d'un nouvel star, Popstar, Star Academy, X-Factor, et j'en passe. Et je tiens à remercier la télévision française qui nous fait découvrir des gens qui sont admis au bout d'un an, qui sortent un single qui reste pendant 8 semaines au top 50 et qui nous fait pisser le sang par les oreilles. Merci la France. Et comme preuve, vous vous rappelez d'eux? Je crois à mon étoile, les rêves ont ce grand pouvoir. La musique, c'est plus que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours en voir d'autres sur mes pages YouTube et Dailymotion et devenir fan de la page Facebook de Monet, Monard et moi. Et si vous partagez pas ma vidéo, et ben je viens tout nu dans la douche avec vous et je vous montre comment je chante mal quand je me lave. Ah ah, alors là vous réfléchissez hein. Mais après, va savoir ce qui fait plus peur, moi qui chante ou moi tout nu. Ça mérite réflexion.